Yo, bonjour à tous les amis, c'est Toto Hachecor. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme d'habitude, moi personnellement toujours en forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de glitch sur Dying Light, armes et items. Alors voilà, déjà je vais commencer par dire que ce glitch, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, que ça fait un petit moment qu'il y est, donc pas la peine de me dire dans les commentaires, ouais, ça fait déjà 3 mois qu'il est sorti, blablabla. Et le glitch, pour une fois, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est donc Necropsycho, quelqu'un avec qui je fais des vidéos, voilà, qui fait des vidéos YouTube, donc le lien de sa chaîne sera dans la description. Et puis voilà, parce que moi je voulais la faire juste par rapport à ma communauté. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé donc un petit peu pour le glitch, donc c'est pour ça que je la mets, pour suivre un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, donc on va commencer directement. Donc principale chose, aller dans sa planque, vider son sac à dos. Et on va juste garder, voilà, donc moi il est déjà vidé. On va juste garder donc des fusées, 11 de préférence, et l'arme à dupliquer. C'est tout ce que vous gardez, vous la gardez qu'une fois. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous représenter chez un revendeur. On est enfermé Hop ici, là. comme des Voilà, rats vous au allez cave. chez un revendeur, vous allez dans vendre. Donc vous voyez que vous avez la fusée, la rage-clou dans le même espace, on va dire. Là, les bijoux dans le même espace. Et voilà. Donc, vous allez aller sur les fusées. Donc, faut que votre curseur orange soit sur les fusées. Vous allez appuyer sur croix et flèche du haut en même temps. Voilà, que votre curseur soit déplacé, mais ça met vent de fusée. Une fois que le curseur est déplacé, que ça vous met ça, vous allez mettre tout vendre. Voilà, et vous allez aller dans racheter. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a tous les arrache-clous. Voilà, donc je le refais. Du coup, je vais tout lui vendre. Voilà, donc là, tous les arrache-clous sont là. Je sors, je rentre. Donc vous voyez, dans racheter, il n'y a rien. Hop, on va sur les fusées. Croix et flèche du haut en même temps. Le curseur s'est déplacé, on met tout vendre et voilà, on n'a plus qu'à racheter tout ça. Donc voilà pour les armes. Donc c'est très simple, ça marche pour les armes à feu, ça marche pour tout. Après, vous pouvez le faire aussi pour les items. Donc pour les bijoux, il y a un bug, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que ça vient de ce revendeur? Il y a un bug. Je suis obligé de racheter tout le temps tous les bijoux, ça me sort tous les bijoux, donc je sais pas, il y a un petit bug, je trouve. Donc, de toute façon, au pire, c'est pas grave. Vous faites le glitch, vous les rachetez et vous allez. Parce que je sais que des fois, il y en a qui rachètent plus cher. Par exemple, là, c'est 600. Les bijoux en autre, ça va être 1000. Bon, bah, vous vous en faites 300. Vous les rachetez, vous allez les revendre. Voilà. En tout cas, là, par exemple, les champignons florissants. C'est ce qui nous intéresse. Donc, voilà, j'en ai qu'un. 141 gaz en dessous. Après, vous pouvez très bien prendre celui du haut et vous faites croix et flèche du bas. Ça marche aussi. Donc, là, je vais sur gaz, croix, flèche du haut. Ah mince, je me suis loupé. Alors des fois ça arrive, hein. Vous voulez louper, il faut vraiment appuyer en même temps. Donc faut vraiment que vous ayez le petit rectangle qui s'affiche. Voilà, là ça a marché. Non, ça n'a pas marché non plus. Voilà, là ça a marché. Faut bien faire gaffe que votre curseur orange aille sur le truc du dessus. Hein. Donc voilà, là je vais pas mettre la totalité, comme ça j'en garde un à chaque fois. Et ben je vais en vendre 140. Tututut. Hop, voilà, et là j'en récupère juste un. Du coup, ça vous fait des sous à chaque fois. Donc c'est quand même relativement intéressant. Vous pouvez vous faire ça autant que vous voulez. Ou les racheter, par exemple, les glandes de chasseur, c'est pas mal à avoir. Donc voilà, c'est un petit glitch bien sympathique. Donc, principal, ça va être surtout pour les armes, pour les kits de soins. Les kits de soins, ça fonctionne aussi. Donc vous le faites avec les crochets, et puis voilà. Donc voilà, c'était le petit glitch pour tous les gens qui me suivent et qui aiment bien avoir des petits glitches. Voilà, donc je reprécise, comme au début, ce n'est pas moi qui ai trouvé ce glitch et je sais que ça fait un petit moment qu'il y est. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne à Necro et pourquoi pas vous abonner si ça vous plaît. Faites des bons trucs, voilà, ça fera toujours plaisir. Sinon, si vous n'êtes pas abonné à la mienne, vous pouvez vous abonner aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit like, un petit commentaire, j'espère que ça vous aura plu. En principe, ce glitch marche sur Xbox aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc sur ce, les gens, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, un très bon jeu, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous et salut, c'était Toto Hachecor.